Hey, bienvenue à tous, c'est Florian. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du Battlefield Mode. Donc, comme vous le voyez, nous reprenons à l'endroit où nous étions laissés lors de la première vidéo. Donc, nous allons continuer. Il faut rappeler que nous étions fait bolos par le Great Saiyaman Puissance qui nous avait juste mis Bagdad. Je vais pas kiffer ma race, j'avais rien à capter. Mais bon. Voilà, le Janemba qui frappe. Je suis entouré, zut! On va encore se faire bolos, hein, tant pis. Parce qu'il n'y a pas les bonnes équipes. Ah, je vais le passer, hein, lui, il claque mes teams, mais je vais passer à celui-là. Ouais, il n'y a pas les bonnes teams, tant pis. Voilà, j'ai quand même du DPS, des dégâts. Sur son contre-moqueur royal, ce qui va nous one-shot du coup à cause du problème. Maintenant, peut-être que je me mets un kiko. Ah non, ça va. Outre l'esprit, c'est pas mal. Par contre, pas à ce point-là, on est bien. Il nous fait le coup de partir en spé sur le végétaux. Non, c'est bon, il est pas parti en spé. Donc quoi, le seul vrai truc de celui-là, c'est son ses dégâts. Donc si par contre en spé à ce tour-là, on est bien. Et si par contre en spé en premier, on est très bien. Parce que ça nous permettra de lui bloquer l'aspect, mais si jamais pas, on est mort parce qu'en plus on a contre-typé. Non, c'est bon. Par contre, on a 8000. On va laisser le frapper pour bloquer l'aspect, et ça évitera les dégâts inutiles comme ça. J'ai eu de la chance sur ce tour là, franchement. Alors, vous voulez dire, les dégâts seraient pas au rendez-vous avec lui. Donc là, on l'a bloqué la SP, c'est bon. Alors la végétothèque, SP1, non SP3 je crois. J'espère que je suis plus d'aucun qui frappe. Et hop, je bâton. Je me sens pas les gars avec lui. Donc voilà. J'attends pas grand chose. Juste qu'il booste. Là on va avoir le Janemba qui lui va aussi tanker forcément. Hein. C'est un peu pour ça que je l'ai pris. Bon là, c'est quoi ça? Oula. Bon, on ne doit rien, désolé tout ça. Bon, nous reprenons le duel, hein. À mon avis, on va mettre un temps fou à le fight. Les aurores sont en route. Quand ils seront là, je serai parti. Et toi, tu seras mort. Bah, la rampe, hein. Donc tout le monde qui part en SP, il ne fera pas de dégâts. Donc ça c'est bon à savoir. Mais j'espère bien continuer dans ce sens-là. Il part en SP à ce tour-là. Et en premier en plus. Ah bah ça va du coup, on va encore bloquer l'aspect, ça va être génial cette affaire. Ça va au final, hein. Avec si j'avais fait ça dès le plus tôt, bah j'aurais peut-être pas eu, j'aurais peut-être pas eu dans le vide. Hein.
Ouais, deux soins tranquilles, et franchement, c'est pas négociable. Bon, végétaux qui a pris, c'est rien de nouveau ça. Oui, la vue, je n'ai pas aussi riche en commentaires, mais bon, c'est que j'ai d'autres choses, c'est que je mange un peu, il est tard, donc je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir, hein. Je suis même extrêmement claqué. Et bon, vu que j'ai pas pu sortir la vidéo avant, je vous la fais quand même à cette heure-là, en espérant que vous serez contents. On prend du 24 le bol à quelle heure, donc ouais, je vous le dis, hein. On dirait des spécs, il fait rien, donc ça va, c'est plutôt un bon point pour nous. Et on a métal couleur qui s'est fait booster, qui va frapper et est-ce que de faire un peu mal quand même. Ah, je vous l'ai dit, hein. Il est ça, ouais. Oh, un peu fatigué, moi. Je vous finis la vidéo quand même. Hein. Voilà. Voilà. Ça, je le suis conscient, je réussirai pas à Final Battle Road. Je raconte tellement de sommeil. Je ne réussirai pas à Final Battlefield et ça, je le sais bien. Un premier, non, mais je... parce que j'ai pris un plateau de Kimpot, tu vas pas kiffer ta vie. Ah non, c'est bon. Voilà, il va encore être bloqué. C'est bon, il fera plus fort depuis un moment, le côté là. La dernière fois, il était à 200 et quelques, il a 350. C'est normal ou... Oh, et puis tant pis, hein. On va voir. Ah non, c'est pas où c'est bon, ça, donc c'est moi. Moi, j'ai vu ça qui est à côté de lui, ce qui est probable. Alors, c'est toujours qui est de se voir lui sur le petit Gret, là, c'est Yaman. Bon, au prochain tour, on doit, ça devrait être salé. Ouais. Il est bloqué. Vous voyez, dire, ce tour-là, il va être salé. Voilà, tranquillement. Tu es un idiot, Harry Potter. Et tu vas perdre. Tout perdre. Voilà, je te coupe. Ouais, bon. Donc là, on a bougé qu'il a qu'elle partait en SP-Max. Donc il est SP-20. Ah, plus de 1000. Ce bâton, quand même, de bons petits dégâts. 1,5 million. Ouais. On va regarder un petit peu les dégâts qu'il va nous mettre, le petit Bojack. Et attention, le petit... Oh mais non, qui vient encore faire une barre, ce qui fait plaisir, franchement. Parce que ça prouve qu'on peut faire du dégât, mais bon. C'est ultra long à faire, et ça va me saouler. Je vais faire une vidéo dessus, et puis basta. C'est ça, la vidéo, c'est... J'affronte Gret Saiyaman, ça va être ça, le titre. Et ça va pas être du bon. Bon, vous connaissez le refrain, j'ai plus besoin de le chanter. Côté qui bloque l'aspect à nouveau. En priant pour qu'il ne parte pas en spé à ce tour là. C'est le refrain, vous le connaissez déjà, je vous le chante plus. Tenez pas qu'il ne part toujours pas en spé. Non, c'est bon, on va encore bloquer l'aspect, c'est prévisible. Mais bon. Plus vrai. Non, il va même falloir deux vidéos pour fumer le machin. Et vous allez être content, vous allez avoir 4 vidéos d'affilée à mon avis. Et ben, estimez-vous heureux. Je savais qu'il s'écoulerait peu de temps avant que Voldemort essaie de s'introduire dans ton esprit. Et je pensais qu'en prenant mes distances avec toi, comme je l'ai fait toute l'année, il serait moins tenté.
Et donc, tu serais mieux protégé. La prophétie disait... Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Ça veut dire que l'un de nous deux devra tuer l'autre. À la fin. Oui. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pour la raison qui t'a poussé à vouloir sauver Sirius. Et qui a fait que tes amis t'ont sauvé. Après toutes ces années, après tout ce que tu as enduré, je ne voulais pas t'infliger d'autres souffrances. Tu comptes beaucoup pour moi. Putain, pire, on prend cher quand même. Bon, on va bientôt partir en autre mode, comme vous l'avez remarqué, c'est ce qu'on vous l'a remarqué, hein. Donc, je vais essayer de faire le calme mode au prochain tour avec le dernier bar. On espère qu'on claque les dégâts. C'est méchant. Oh, c'est juste une farce. Ah. Mais comme c'est le dernier soir, il faut que je les récupère. Sérieux là? Game phase, tab de continued. C'est quoi ce délire? Je suis désolée au sujet de ton parrain, Harry. Il y a un temps fight avec le machin. Ah ouais, lourd. Tu n'as vraiment pas que je t'aide à aller chercher. Bon, allons voir un peu ce que je peux faire. Alors, on va faire une nouvelle team. Un peu piqué des hannetons. Je vais pas vous mentir. On va voir si je trouve un Mulder. Bon, maintenant, voilà. Je vais cliquer mes teams pour le saut, pour obtenir celui-là. Ah. Pour la catégorie cible. J'ai réfléchi. Je n'ai même pas lancé la bonne catégorie, donc tu m'étonnes. C'est quoi? Voilà, c'est celle-là la bonne. Pas la bonne. Bon, voilà, celle-là, c'est la bonne. Voilà, je préfère ça. Bon, on va s'arrêter là pour la vidéo et on la reprendra juste après. Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à toutes pour la prochaine vidéo.